Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne jeustratégie.com. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur le jeu Dota 2, donc un MOBA que j'ai décidé de vous présenter via une de mes petites parties. C'est en live, donc je joue en même temps que je vais commenter. Donc c'est un jeu proposé par Valve qui est toujours en bêta test, mais j'ai accès à cette bêta comme beaucoup de monde et je dispose même de plusieurs clés de jeu à utiliser. Donc là, je vais aller au bot comme demandé par la TA, Templar Assassin. Donc moi je vais jouer Keeper of the Light. Donc c'est un perso qui a plus un rôle de support et pusher, c'est-à-dire qu'il a un sort qui permet de push les lignes ennemies. Donc pour ceux qui découvrent ce type de jeu, c'est un MOBA, donc nous sommes dans un type de jeu. Nous avons deux camps qui s'affrontent avec pour but de détruire le camp ennemi, le bâtiment ennemi qui est ici là pour le dire. Moi je suis dans le Radiant et moi je suis dans le dire. Le but est donc de détruire ce bâtiment et avant il y a 4-3 chemins et il faut détruire les tours de chaque chemin. Donc tout le temps en se battant contre des sbires. Donc sur ce jeu, il faut à tout prix, je vais laisser moi les sbires, c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas vraiment de carry ici pour les sbires de ma ligne. Parce que c'est pas à moi de prendre les sbires, moi je dois le laisser à mon carry normalement. Bon bah c'est pas grave. Donc là il y a, je suis avec Undying contre Tusk qui vient de sortir, un nouveau perso. Donc là, il y en a de Tidehunter aussi contre moi en ennemi. Donc, je vais essayer de pas être trop ridicule sur ma partie. Hein, on va essayer, mais là, c'est pas la bonne idée de nous avoir laissé à deux comme ça en bas. Voilà, je vais utiliser mon sort. Ça utilise donc de la mana. Bon, ça va pas faire beaucoup de dommages. Donc bon. Ouais, presque. Ah, j'ai presque réussi à enlever toute la vie d'un adversaire. Par contre, je n'ai plus de mana. Hop, on va s'en remettre un peu. Donc je vais peut-être parfois ne pas beaucoup parler, parce que comme je vous dis, c'est en direct, c'est du live. Mais pour vous présenter le jeu, je pense que c'était bien plus sympa de faire ça sur une partie en live. En direct, quoi. Bon, c'est sûr qu'après, la qualité, je vais moins commenter que si c'était une partie, un replay que je commenterais. Donc oui, on peut commenter aussi les replays. On peut même rejoindre des parties d'amis en ligne grâce au système proposé par Valve. Donc le jeu est vraiment très complet au niveau replay, et jeu en équipe, jeu avec les amis. On peut voir les vidéos, les parties en live de nos amis. Voilà. Donc là, je vais essayer de proposer. Voilà encore. Ah merde, loupé. Par contre là mon allié il s'est un peu enfermé. Donc on va essayer. Donc là il va mourir sous la tour. Voilà, j'ai laissé le kill à mon allié. J'ai essayé d'avoir lui. Je fais pas beaucoup de dommages avec mon sort de base, donc bon, je vais le laisser partir. On va essayer un truc. Bon, c'est pas ça, il a dû rentrer à la base. Que pour se soigner, prendre la mana. Oula, j'ai rien dit, il est ici. My quest continues. Allez, on va se faire quelques sbires.
Voilà. On va aller s'acheter les bottes. Donc on achète des objets dans les shops. Donc il y en a un ici, un de l'autre côté et deux là et ici. Plus celui de la base, le principal. On peut acheter différents items qui vont donc améliorer nos pouvoirs, nos compétences. Donc là pour le moment, on reste sous leur tour. Voilà mon sort là que vous pouvez voir là qui envoie des vagues. Et pas mal hein, pour empêcher les ennemis d'avancer. Donc là, on va encore se faire une vague de sbires. Voilà. Je n'ai pas de mana. Yes, on a eu les, on l'a eu à deux. Assez de mana. Ça on va régler le problème et on va peut-être et je l'ai eu, c'est nickel. Alors qu'est-ce que je vais me prendre? Tranquille boots, ok on va faire et je vais prendre, j'en profiter, on va prendre je vais m'acheter le ça, coursier volant. Et on va s'acheter. Ah, j'ai plus de place, ok. Mais bon. Au début de partie qui est pas si mal. Ah, ils en ont tué un de chez nous, donc je sais pas où c'est. Allez, on refait une canalisation, on canalise et on se refait encore des sbires. On se redonne de la mana. Ah, il était là, ok. Oups. Et... je sais pas comment. Ça a donné... il est déjà niveau 6, là, quoi, niveau 4. Ah voilà, notre allié qui va tenter. Je t'ai rendu la mana, allez, go. Yes, on l'a eu. Bon bah le début de partie qui est pas trop mal. Donc moi je joue un perso hein, qui est pas mauvais donc en début de partie. Par contre après c'est un peu plus dur. Non mais j'ai pas de mana pour toi. Ah j'ai pu lui rendre pile à temps de la mana. Merde, bah, j'ai pas pu l'aider lui. C'est pas une bonne idée. J'aurais pas dû revenir. Ouais, j'utilise mes bottes pour me redonner un peu de santé. Il va se prendre une potion, on va se mettre son ulti. Alors, ça a été un peu chaud. Donc là, il y a l'archer Draw Ranger qui ralentit elle à chaque fois. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un ennemi qui était par là. Donc là, je manque de mana, moi. En espérant. Voilà, ils sont bloqués un petit peu. Il va falloir que je m'achète la... hop. Mince, je voulais prendre le monstre, pas grave. On va faire la canne, la vague, illuminate, et voilà. Bon. On va revendre parce que c'est pas ça qu'il faut que j'achète, c'est ça maintenant. Donc je vais m'acheter ce qu'il faut. Alors 6-2 à 8 minutes.
My quest continues. Ça se passe pas trop mal. On va refaire. On continue. Yes. Il est où mon allié? Ah, il reste sous la tour, pourquoi pas? It's hardly a challenge. Pourquoi pas? Waouh. Where to? De voir. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste là, lui? The light shines. On va faire encore une innate. Et voilà, plus de sbires. Voilà, bon, bah, il m'a l'air d'être revenu. Il y a un ennemi qui doit être par là. Quoi, je l'ai vu. On va les avoir. Et oui, bon, c'est mon allié qui a fait le doublé, c'est pas grave, donc j'ai les assists. Je vais back et m'acheter ceci. Et je peux peut-être m'acheter. Qu'est-ce que je peux me prendre là? Allez. Oh, ça se passe bien, ça se passe bien, le début de partie. Donc là, moi j'ai une Templaire Assassin dans mon équipe, ainsi qu'un Nature Prophète. Donc lui qui peut se téléporter avec un peu partout sur la carte. Templaire Assassin qui est pas mal si il arrive à avoir assez de gold. Donc, pour le moment, nous, pas trop de soucis. Alors, je vais faire là, parce que je crois que... Voilà. On va vider un groupe entier, vous avez pu voir. Donc là, je choisis encore ça. Là, je vais utiliser mon outil qui me permet d'utiliser mon sort sans rester à côté. Vous pouvez voir maintenant. Voilà. Normalement. Oula, je me suis loupé. Non, c'est pas grave. Oh bah je me suis pas tant loupé que ça. Bon, je rentre de la mana à mon allié, c'est plus important. Une vague. Oh, pour la pousser la tour. Voilà. Et puis je vais aller m'acheter un peu de gold, de un TP2 pour me. Hop. Alors, j'ai plus de mana. Bot. Besoin d'aide, ok. Lui, mon allié monte. Moi, je vais continuer à rester ici. Puisque, avec mon sort, je peux donc aider ma ligne à pousser la tour. Une fois qu'on aura pris cette tour, je me déplacerai. Voilà. On continue. Mais de toute façon, je vais avoir une nouvelle vague qui va arriver. Donc, je suis pas à un niveau très élevé, donc mes adversaires sont à peu près au même niveau que moi. Donc, c'est sûr que si certains regardent, sont des habitués du jeu, ils trouveront que le niveau n'est pas très élevé. C'est normal, hein, on est à un très faible niveau. Mais je m'amuse bien, donc c'est suffisant. Et pour ceux qui sont intéressés, qui auraient envie de découvrir un peu plus ce jeu, je dispose de plusieurs clés. Bien sûr, pour ceux qui veulent essayer, il suffit de me demander ça en commentaire. Et moi, je vous ferai un cadeau d'une clé. Il n'y a pas de souci. Oula. J'ai l'impression qu'il y a besoin de mid. On va venir. Voilà. Ah, il a utilisé son. Voilà. Triplé. Triplé. Ouh.
Triplé. Bon bah, c'était pas mal. On va continuer à push. Triple KS. Ah, c'est ce qu'il dit. KS, ce serait comme quoi j'aurais piqué les kills. Aïe. Radiant structures are on your hooves. Allez, on va aller retourner chercher ce qu'il faut. J'ai plus de mana. Je vais me prendre donc l'objet là. Je vais pouvoir m'acheter normalement le mécanisme. Et je vais me prendre un TP pour retourner au bot. Et on retourne ici. By your lead. Luminescence! The light shines. The light shines upon me. Et on reprend un niveau, donc cette fois. Ah, j'ai sniper contre moi. Now, where was I? Pourquoi pas? Shine on! I'll ride ahead. Donc sniper lui tire de super loin. Il est un peu embêtant, on va dire, parfois. Parce qu'il plus il monte de niveau, plus il gagne de portée. Ah mince, j'ai mon ulti qui se terminait et j'ai pas fait attention. Allez, on va prendre la tour. Normalement, une belle vague qui va arriver. Voilà. Donc là, on a un allié qui va. Ah non. Qui sait pas TP. On va continuer à pousser. Oh, il a fait un doublé l'autre en haut. Your middle tower is under attack. On va utiliser, donc là normalement ça va prendre la tour rapidement là. On va rendre la mana à mon allié. Oula. Merde. Mon allié. Il a pas voulu, je sais pas pourquoi il est revenu. Je sais pas pourquoi il est revenu contre alors qu'il avait plus de vie. Mais bon, on a pris une tour, on a perdu aucune tour. Qu'est-ce que je vais m'acheter comme objet? Je vais prendre ceci, ceci. On va appeler. Ok. On va aller s'acheter un TP, puis on va aller au top. L'honneur est mine. On va aller au mind plutôt, parce que là ils sont trois au mind. Mince. Tu as de la mana. Bon. Oulala, oulala, il a le double dommage. C'est un peu chaud là, j'ai plus de mana. J'ai un peu de vie. Faudrait de la mana ou je vais en rendre d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris là pourquoi il a fait ça. Bon bah on va faire ceci. Oh, il était pas loin. Leading light.
Yes. On va refaire ça. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, mon allié? Ah, ouh, c'est un peu... Allez, il va falloir que je rentre au bout d'un moment, parce que j'ai plus de mana. Mais on est que deux, je peux pas laisser la tour du mid pour le moment. Lui devrait back. Je suis encore loupé, bon ça devrait pas être génial. Voilà. On recule, on recule. Ah, utilise son ulti. Allez. Ouais, personne. Et là, cette fois, je back. Ils ont pas pris encore la tour du haut. Si, c'est bon, ils vont prendre la tour du haut. On aura pris il en bas, lui il continue de push en bas. C'est l'avantage de Nature Prophète. Il peut se TP un peu partout, donc il peut forcer les ennemis à revenir. Donc là, les deux ici, la TA et Nature Spirit, qui a pas accepté que je prenne des kills tout à l'heure. Voilà. Bon, ils ont sacrifié leur propre tour. Ok. Donc je vais pouvoir prendre ça. Pourquoi je l'avais pas? Ah, il est où? Is it spring already? Ouais, pourquoi je l'ai pas reçu? Voilà. My quest, je l'avais pourtant fait venir tout à l'heure. Je vais me prendre ceci. By your leave. On pousse là. Donc, on va aller. Allez, je l'ai aidé un peu. On fait ça. Allez. On va prendre la tour. Oui. On a pris la tour. Je vais rendre de la mana à mon allié. Bon. Ça se passe bien. On a pris les trois tours. Donc là, sans perdre une seule, on est bien en avance. On peut voir. 11-24. Loïf Gandalf. Donc Gandalf, hein, c'est moi. Si vous l'aurez pas compris, cette fois, il m'aime. Parce que je pense. Comme je lui ai rendu de la mana. Alors là. On va enlever ces sbires, hein. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus. Donc moi j'aime bien ce jeu. Quoi, c'est un jeu que j'apprécie, auquel je joue pas mal en ce moment. Dès que j'ai un peu de temps libre, je joue, c'est pour ça que je vous le présente. En espérant que certains auront envie de tester des parties en commun. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai fait l'idiot. Allez. Ouais. On va aller sous la tour. J'ai eu chaud là, hein, je peux vous le dire. On va se rendre de la mana. On va faire ceci. Est-ce qu'ils sont venus là? Non. J'ai la Templar Assassin avec moi. Ah, bonne idée, elle se met en invi. Et je vais... On va qu'on push, hein, puisqu'ils sont pas là. Donc là, on push la tour. On en a pris une, on a pris au bot, donc là on va aller au mid. Attends, faut peut-être que je vais peut-être en profiter, parce que j'aime bien jeter cet objet aussi. Ah pff, bête, c'est pas ici qu'il s'achète celui-là, ok, bon c'est pas grave. Donc on va se prendre un peu de mana. Ah. Allez mon allié, allez, Nature Spirit, tu vas la voir. Yes.
ça se passe vraiment bien sur cette partie. Je pensais pas avoir la chance de vous présenter, j'espère vraiment être, vous montrer une partie où on aurait été ridicule quoi. Mais là, ça se passe assez bien, je trouve. Ça se passe même très bien, c'est pas que ça se passe assez, c'est que c'est sûr même. Parce que vu le score, on peut pas avoir mieux comme, comme partie, je pense, 25-12. Voilà. J'avais fait fuir un peu, donc on va remettre un coup comme ça. Et là, on va essayer de prendre la tour du middle, du milieu. Boule de neige, boule de neige, boule de neige. Éviter. Donc là. Mana pour toi. Masse, elle a utilisé son outil. Et voilà. Oh, méga kill pour mon allié. Moi, je n'étais pas si mauvais que ça. Bah tiens, c'est celui-ci que je voulais acheter. En fait, je me suis loupé tout à l'heure. Donc je vais aller là. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Après, mon niveau de jeu, c'est différent. Mais en espérant que le jeu vous convient, il vous intéresse. Un peu de mana pour toi. Bon, c'est moi qui en ai pas dans l'histoire. C'est-à-dire que sans mana, je ne sers pas à grand-chose. J'ai à voir là. Je pourrais me rendre un peu... On y va. Allez, je l'ai fait fuir. J'ai évité qu'il se fasse tuer. Ah, par contre, on a perdu un allié. Oh, mince. Comment il est arrivé là, lui ? Il y a Sniper donc qui est à droite. On va fuir. C'est pas la peine de rester. Voilà. J'utilise un objet, c'est le First Staff. Là, mon allié est un peu seul. Et il a pas l'air d'être embêté, donc bon, je vais pas le ramener. Oh non, c'est, ils ont sacrifié la tour. J'ai pas vu laquelle. Mana, je n'ai pas. Allez. J'ai de quoi m'acheter mon objet. Ah! Donc là, je vais avoir un objet qui va permettre de ralentir mes ennemis. Normalement, j'ai un autre pouvoir aussi avec mon ulti, c'est de TP un allié, quoi, de l'amener vers moi. Mais je l'utilise pas encore parce que je ne le maîtrise pas. Donc je, au lieu de faire des conneries, je ne l'utilise pas, tout simplement. Ah, il a appris le Shadow Blade, ok. On va faire ça. 3 au mine. J'aime bien ce montage de sort. On fait fuir. Ils ont toujours. Voilà. Il n'y a plus de forêt en plus. Ouais. Oh mince! Je l'ai pas vu venir. Oh, j'ai eu. Je sais que j'ai eu. Non.
J'ai oublié d'utiliser un objet. Ah, ils vont m'avoir, ils vont m'avoir. Ah, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon objet. Ah. Bon bah, ça a permis de gagner quand même. GG, ouais, bah oui, c'est fini, ils sont tous morts. Bon, moi, je vais racheter aussi. On peut se racheter quand on est mort, quand on a l'argent. J'ai oublié d'utiliser l'objet là tout à l'heure là pour ralentir. Mais bon, ça s'est très bien passé comme partie, je trouve. Pour une première sur Dota 2, pour vous présenter le jeu. Donc après, je parlerai un peu du jeu. J'espère que... Parce que là, on a gagné. Là. Même si vous revenir, on a le double de points au niveau des lore. On est meilleur que donc plus d'objets. Donc on a tout mieux que... Il en manque un, là, il est où là. J'ai l'impression qu'il en manque. Utiliser notre pouvoir. Ah, il est là. On rend de la mana à tout le monde. Ah, ça s'est fait. Alors, de la mana à mon allié. Allez. Terminé. On prend tous les bâtiments, ça c'est le. Ce qu'on fait, c'est ce qui se fait bien, pas mal aussi. Allez, oups, je fais. Hop. Voilà. Rendre de la vie à mon allié. Poser ça. J'ai celui-ci qui est assez tank. Ils sont où les ennemis là? Ah, ils sont là. Okay. Ah, aïe aïe aïe, revenge. Sauf qu'il est tout seul. Il a perdu. Voilà. Dernier tour et c'est fini. On va faire ça. Allez, on va prendre la tour. Je sais pas du tout. Bon, il reste. Ah bah oui, ils doivent attendre. Voilà, c'est terminé. Non, ça a tiré. Mince. Voilà. Bon, la partie est terminée. Donc, petite partie courte. 30 minutes, c'est pas mal quoi, pour une partie de Dota 2. Ça peut très vite quand les deux équipes sont de même niveau monter à du 50 minutes, 1 heure. J'ai déjà vu des parties d'une heure. Donc là, on arrive à la fin. On voit les stats de tout le monde et ainsi que les objets gagnés par chaque joueur au hasard. Donc on peut gagner des objets car c'est un jeu qui est gratuit. Je le rappelle, donc on peut accéder à la bêta, et puis après, quand il sera sorti pour tout le monde, c'est un jeu gratuit. Mais on peut payer pour juste avoir du skin, c'est-à-dire des objets pour les héros. Ça n'augmente aucunement les compétences du héros et votre façon de jouer, c'est juste de la décoration. Donc c'est la seule chose qui est payante dans le jeu. Ainsi que des tickets pour voir certains tournois en direct. Donc, là vous pouvez voir les statistiques de tout le monde. J'étais pas si mal que ça, 6-1-12.
Bon, ça fait que sur 18 kills de l'équipe, sur les 36, j'étais présent, la moitié quoi. Ensuite, bon, l'équipe d'en face n'était pas terrible, terrible. Je pense que ce joueur là, qui joue à Tusk, comme il vient de sortir il y a quelques jours, devait le tester. Donc, on ne connaît pas encore toutes les spécificités du héros. Après, ils avaient un Tidehunter qui n'a pas réussi à placer son ulti une seule fois correctement, quoi. Donc ça, il a un ulti quand on le place correctement en combat, en teamfight, ça peut retourner une partie. Car oui, ça reste quand même un jeu où la moindre erreur n'est pas possible. Il faut faire très attention et bien sûr jouer en équipe. Jouer tout seul, ça va rien vous amener, vous allez faire que perdre. Donc j'espère que cette petite vidéo où vous avez pu me voir jouer à Dota 2 vous a plu. Si vous en voulez un peu plus sur Dota 2, peut-être des vidéos de replay, ça fera un peu moins vide parfois en commentaire. Commenter un replay étant donné que là je ne jouerai pas en même temps. Si cela vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Bien sûr, si vous voulez tester le jeu, vous pouvez me demander une clé bêta. J'en dispose de plusieurs sur moi et je pourrais vous proposer, vous passer quoi une clé pour essayer le jeu et même jouer avec moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.